Salut les filles, on est donc au jour 2 du vlog à Madrid. Voilà. Alors, toi elle a bien dormi, hein. Toi elle n'arrêtait pas de ronfler. Attends. Moi j'ai pas dormi. Alors, on a pas. Moi j'ai mal dormi, j'ai vraiment mal dormi. En plus, les éboueurs ils passent la nuit ici. Alors, ils passent la nuit ici, alors ils font un boucan. Moi, moi ça m'a réveillé en tout cas. Moi j'ai bien dormi. Il n'y a aucun plus de réveil. Oui, elle n'arrête pas de ronfler alors. Franchement. Alors là, ce qu'on a fait, on est parti manger du chocolat avec des churros. Apparemment, c'est un peu traditionnel ici à Madrid, il y en a plein qui le font. Il y a des churros vraiment obèses. Alors voilà les churros, bon ça c'est du chocolat, apparemment il est très épais. Hein. Voilà, regardez, c'est du vrai, c'est du chocolat pur, je crois. Voilà, et apparemment, on trempe les churros dans le chocolat et puis ça c'est du churros et ça c'est du churros. Ouais, churros, ouais. Ou churros, je sais pas. En tout cas, voilà, on va goûter ça, on va voir si c'est bon ou pas. Et ça a l'air bien lourd, hein. Ça a l'air bien, bien lourd, là. Ouais, ça a l'air bien grave. Bon, il y a tout ce que j'aime, hein, du sucre, de l'huile et du chocolat. Alors, on a bien mangé. Ouais. On n'a pas fini. Ouais. On n'a pas fini parce que c'était vraiment trop gras. Ouais, et, c'est trop lourd, hein. Ouais, le chocolat, il est vraiment épais, quoi. Là, alors, j'ai plus faim, là. Alors que d'habitude je mange beaucoup, hein, mais là. Ouais, c'est vrai que ça cale bien, apparemment ils mangent ça le matin, les Espagnols, et apparemment ça cale hyper bien, ça se mange tard en fait. Ah, et tout le temps manger ça, c'est chaud, hein. Ouais. Tu le ressens après. Mais bon, ça va, c'est technique quand même, hein. Là, on était des vrais Espagnols. Là, on était des vrais Espagnols. On est à fond là. En plus, il fait beau, hein. Il fait beau, mais il fait froid. Ouais. Il y a du soleil. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir au temple de Debo, je crois. Debo. Ouais, ça doit être Debo. Ouais. Et on va visiter un peu aussi. Il y a un parc là-bas, on va aller voir là-bas. Ouais. Et voilà. Déjà, on verra si le temple il est beau. On pourra prendre en photo. De quoi? Dans le temple. Ouais, c'est un truc ouvert, je crois. C'est un truc. C'est pas fermé, enfin faut même pas payer, je crois. Ah, oh, c'est bien! Il y a beaucoup de choses gratuites là. Ça, c'est bien. Enfin voilà, il est un peu froid. On est à Puerta del Sol. On va aller vers le temple. On a fait des achats, enfin j'ai fait des achats chez Zara encore. J'ai acheté un petit porte-monnaie pour ma mère. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Un petit Tiger. Tiger, ouais, c'est une petite. Ouais, le temple, on peut entrer à l'intérieur et puis on peut faire des photos. C'est gratuit aussi. Ouais, c'est gratuit apparemment. En bas de l'hôtel, ouais, il est 19h. Ouais, 19h20 environ. Hein. Alors, on était parti au temple de Debod. Ah, ouais, c'était bien. Hein. Ouais, c'était bien. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé. Je vous ai fait quelques photos. On a mangé dans un truc. En fait, c'est un resto où le principe, c'est de payer 1€ le sandwich. Le mini sandwich.
ça cale. Hein. Ouais, ça cale pas mal. Franchement, alors que je suis bien les habitudes. Hein. Ouais. Là, j'ai les gars, le policier. Il y a un policier derrière, je crois qu'il faut le suivre. Mais non, c'était, franchement, c'était bon. Hein. C'était ouais, c'était bon, mais après, on a mangé à 15h. Non, 14h. Ouais, 14h, ouais. On est sorti de là-bas, il était 15h, on était KO. Enfin, ouais. Surtout moi. Moi, ouais. J'ai dormi. On arrive à l'hôtel, j'ai dormi. Retraité. Bon, moi aussi, j'ai rien foutu. Ouais, elle était en train de regarder des dessins animés, mais bon. Je comprenais rien du tout, mais bon, c'était bien quand même. Hein. En tout cas, moi, j'ai dormi, j'étais vraiment KO parce que j'avais pas dormi la nuit dernière. Ouais, parce que je ronfle aussi, hein, je veux dire. Mais bon. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir au musée de la reine Sophia. Voilà, on sait pas c'est qui, mais... on sait pas c'est qui. En fait, je sais pas. On va faire du genre, on connaît dans le musée, on aura nos lunettes en mode... on sait tout, hein. Non, mais on verra. Ouais, on va partir au musée, c'est pas trop loin, c'est à 20 minutes de l'hôtel. Ouais. Vraiment, notre hôtel, il est bien situé. Hein. Grâce à qui? Merci. Non, mais franchement, on est vraiment à côté de tout. Ouais, on est vraiment à côté de tout, c'est ça qui... On n'a jamais pris le métro, là, juste pour l'aéroport. Même pas le bus, en plus on est chez les riches. Hein. Ouais, on est là. Ça, c'est important de le dire, et c'est pas qui. C'est même la mini DHL, quoi. Le gars, il est au DHL. Ça va pour lui, hein. La mini DHL. On va le prendre, là. Voilà, merci. En face du Ritz. Voilà, parce que nous, il faut dire... On dort dans le Ritz en fait, on a oublié de vous préciser, mais voilà. Et mon sac, c'est un Chanel. C'est un Chanel, je l'ai enlevé parce que je veux pas me faire voler, mais c'est un Chanel. Voilà, on est arrivé devant le musée. On est arrivé devant le musée, t'es où, y a ton endroit? Ah, je suis là. Les gens veulent te voir. En mode igloo là. On arrive devant le musée, on va entrer. Je pense qu'il n'y aura pas trop de gens là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de monde. Apparemment, c'est le musée, sûr, ils sont gratuits de 18, 19 à la fermeture. Ouais. Et les dimanches aussi, je crois. Donc tous les jours. Ouais, tous les jours. Donc on va en profiter. Hein. On va entrer, je sais pas si on pourra filmer à l'intérieur. Au pire, on filme en cachette. Hein. On ouvre notre manteau, c'est comme ça. Ça fait un peu. Il est plus bouquet. Hein. Ouais, il faut bouquet. Ça fait un peu. Ouais. Surtout, on t'écoute. Alors on est parti au musée de la reine Sophia. Ouais. En fait, c'est un bien. Musée d'art moderne, c'était super beau, donc je vais vous mettre des photos et des vidéos qu'on a fait. Ouais, on pouvait pas filmer, c'était interdit là. On pouvait pas filmer, par contre on pouvait prendre des photos. Ouais. Donc en fait. on va repartir sur Puerta del Sol, faire les petits. On va repartir sur Puerta del Sol, faire les petits trucs. Un petit tour pour voir ce qu'on n'a pas vu, hein. Ouais, parce qu'on n'a pas fait toutes les rues en fait là-bas. Il y a trop de trucs. Hein. Il y a même un appel, j'ai dit appel. Appel. Appel, pardon. Appel. En plus, elle est jolie, attends. Appel. Voilà, appel. Appel. Non, j'ai bien articulé là. On va aller faire un petit tour pour voir. En plus là il est 20h passé donc... Il est 20h passé là? Ouais je crois. Hein. Attends, je sais pas. En tout cas c'était pas mal le musée. Ouais bien aimé. Franchement... C'est de l'art moderne mais c'est sympa. Ouais il est 9h. Il est 21h. Ouais. En plus j'ai rien compris franchement. Il y a des trucs c'était un peu bizarre. Ouais. Il y avait Hitler un moment. Ouais. Mais de toute façon vous allez voir les photos. Mais... Ouais. Non mais vous allez kiffer hein. Là il y a un beau gosse. Je vais garder hein. Il est pas mal. Là mais il est pas mal hein. Qui lui? Ouais t'as pas vu son visage. Il a des beaux yeux. Espagnol si tu m'entends. Donc voilà. Ouais donc on va repartir. Je sais pas si on va filmer sur Puerta del Sol parce qu'il y a pas mal de monde quand même. Hein. Ouais ça dépend parce que si quelqu'un peut s'en aller avec nous. Là il y a personne dans la rue. Ouais là il y a personne. Attends je vais mettre. On est dans une ruelle là. Regarde les mecs avec les têtes. Allez on vous emmène avec nous. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde. Il y a des trucs. Là, il n'y a pas. Pendant un moment, on est passé dans un quartier. C'était vachement animé. Ouais. C'était un quartier populaire. Il y avait de tout. Hein. Ouais, il y avait de tout. C'était vraiment populaire. Non, mais ça a changé notre quartier quand même. Où on était. Là. Bah, nous, c'est vrai que c'est calme en fait. Quand on a vu ça. Ouais. Mais bon, c'est pas plus mal. Hein. Moi, ouais, je préfère. Pour dormir et tout. Ouais. Oh, c'est pas mal. À part les éboueurs. Ah, j'ai même pas entendu moi. Ah, moi, j'ai bien entendu ça. Je vais ronfler là.
Genre tu t'es levée pour aller voir la fenêtre? Ouais, je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre pour aller voir parce que je pensais que c'était des gens qui... Enfin, je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas de bar en dessous, il y a vraiment beaucoup de bruit et tout. Je me suis dit c'est bizarre qu'il y ait autant de bruit. Mais c'était un bruit de moteur. Mais c'était des gens qui parlaient, des bouteilles, enfin plein de trucs. Ils sont eux, ils parlent tout le temps. Ouais, ils parlent beaucoup les Espagnols. En travaillant, ils parlent beaucoup. Mais bon, c'est blablabla. C'est chaud, hein. Ouais, ils parlent vraiment beaucoup en travaillant. Au téléphone et tout. Ouais, les vendeuses, les caissières, elles parlent au téléphone pendant qu'elles nous font la monnaie, ouais. Moi je les fixe pour que, tu sais, communication, il n'y a rien. Elles parlent espagnol, après elles disent adios. Ouais, ils disent quoi? Je sais pas, ils disent quoi? Adios, buena dia. Voilà, et moi je suis comme ça. Je comprends rien du tout. L'autre fois, dès là, j'ai parlé anglais, espagnol, français. Le mec il s'est dit ok, d'accord. Ah, regardez derrière là, le bâtiment derrière nous là. Attends, je vais regarder avec eux, c'est quoi? C'est là. Ah oui. C'est super beau. Ouais, c'est un hôtel, je crois. Il est super beau, super bien éclairé. Ouais. Ça, c'est un hôtel de luxe, hein. Ouais, je pense que c'est un hôtel de luxe. Il va tourner la tête. Il veut pas lui faire du tout. Il est sûr. Moi j'aurais pas su, t'as eu? Pas longtemps, il est 22h, donc on est parti faire un petit tour vers Puerta del Sol. On est parti juste se balader, et puis vu que les boutiques commençaient à fermer, qu'il n'y avait plus grand chose d'ouvert, on a décidé de rentrer. Donc voilà pour cette deuxième journée. Demain, on va sûrement aller au marché, un grand marché à ce qui paraît. On va sûrement aller là-bas le matin. À 11h, je crois, il faut libérer la chambre. Et puis, notre avion, il est à 18h. Donc, entre les deux, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va regarder. Je vous dis à demain pour le troisième jour et le dernier jour du vlog.